C'est bon, vous êtes prêts? Sûr? Ok. Bonbon! On a 5 minutes. 5 minutes, tu vois large, toi. I just wanna be something. You just wanna be loved. Moitié. À chacun sa manière d'aimer. Bonjour, Pauline et Benjamin. Bonjour. Attention quand tu sautes comme ça. Attention. Vous êtes ce qu'on appelle une famille nombreuse? Oui. Oui. Vous vivez à combien? Eh ben, on vit à 8. 9. On est 9. 9, oui, pardon. Ouais. C'est fou, comment tu peux oublier un de nos enfants? Je crois que j'ai oublié de me compter, moi. Ah, ouais. On est 9. Je comprends. Comment ça se passe, la gestion d'une telle famille, au quotidien? Bah, c'est vrai qu'avec les petits bouts de choux, là, c'est une vraie organisation. On a un petit peu l'impression de gérer une entreprise. Mais une boîte publique. Ils branlent rien et on peut pas les virer. Mmh. Je plaisante. Vianney, tu descends de la table, s'il te plaît. Merci. C'était avant le chanteur. Et comment on gère la cohabitation avec 7 enfants? Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Hein. Non. Non, c'est, on est comme un petit village où chacun découvre son voisin. On vient frapper à sa porte. Isabelle, 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 Isabelle. C'est chiant, hein? C'est pas très Montessori, ça. Quel regard pose la société sur votre famille? Bah, il y en a qui nous prennent pour des conservateurs parce qu'on a beaucoup d'enfants et que celle-là, de temps en temps, elle tombe. Et d'autres pour des progressistes, mais en fait, c'est surtout par souci d'économie qu'on habille le petit dernier avec la robe de sa grande sœur. J'espère qu'il va pas virer... Il plaisante, hein? Plaisant. Et est-ce que ça devient plus facile avec le temps? Quand on a eu notre premier enfant, on était vachement stressés. Ah oui, très. Ouais. Et au fur et à mesure des naissances, on a beaucoup appris. Bah d'ailleurs, on a commencé par des prénoms à 3 syllabes, puis après, on a tout simplifié. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Tu fais un biberon pour Guy? Ouais. Oula, bah, je vais le changer aussi parce qu'il a taché sa robe. Ah. Là, depuis le petit dernier, c'est vasectomie, capote, pilule. Normal et du lendemain. Et téléphone, 5G, poche droite. Là. Et avec tous ces enfants, est-ce qu'il reste une place pour le couple? Bah, nous, on regrette rien de nos vies et de notre relation. Hein. C'est aussi puissant qu'au premier jour. On dit que dans les couples, il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Nous, c'est juste que pour l'épreuve... On va s'arrêter à 7. Bon bah... Câlin. Voilà, câlin. Câlin, famille. T'entends? Quoi? Ils font plus de bruit. Ah ouais? Oh, putain. Je vais quand même vérifier dans le four.